die eigene Kandidatur aufrechterhalten oder sich zurückziehen, um die extreme Rechte zu blockieren. Vor diesem Dilemma stehen die drittplatzierten Kandidaten bei den französischen Stichwahlen. In der nordfranzösischen Stadt Tourcoing hat sich die linke Kandidatin der neuen Volksfront zurückgezogen, um dem makronistischen Kandidaten und Innenminister Gérald Darmanin mehr Chancen zu geben. Er hat den ersten Wahlgang mit 36% der Stimmen knapp gewonnen, aber der Kandidat des rechtsextremen Rassemblement National folgte ihm dicht auf den Fersen. Die Kandidatin von La France Insoumise erklärt. C'était une décision qui n'était pas facile à prendre. C'est une décision qui a pris du temps aussi. J'étais pas sûr de la prendre jusque très longtemps. Il faut reconnaître que Gérald Darmanin, c'est pas un macroniste comme les autres. Malgré ça, je pouvais pas regarder les électeurs dans les yeux et leur dire que j'avais pas tout fait pour empêcher le Front National de passer. Eine Entscheidung, die auch vom Chef der Sozialistischen Partei von Tourcoing begrüßt wird. C'est une annonce cohérente qui est en rapport avec les recommandations nationales, mais aussi qui est en rapport avec les convictions de l'électorat de gauche qui a toujours dans son histoire fait barrage au Rassemblement national. Vor Ort gehen die Meinungen der Wählerinnen und Wähler angesichts des bevorstehenden zweiten Wahlgangs auseinander. Ça veut dire si se maintiennent, c'est certain, c'est le Front National qui va passer. Alors vaut mieux essayer de donner la voix à Darmanin. Alors au premier tour, j'ai voté gauche, histoire de faire barrage au Rassemblement National. Mais pour le deuxième tour, j'hésiterai à voter Darmanin en fait, pour quand même faire barrage au Rassemblement National, mais j'ai quand même prendre en compte tout leur programme. Pour moi, ils ont peur du RN. Ils ont peur et ils veulent se défendre et dans tous les cas, ils y arriveront pas. La majorité l'emportera. On a vraiment l'impression qu'on est dans un monde politique où ça se joue entre eux. Et que, en fait, nous, on a l'impression d'être en dehors du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? On a posé à qui la question de savoir si ces arrangements politiques, ils étaient bons? Ça suffit de dire qu'on fait barrage. On va faire barrage jusqu'à quand? Die starke Beteiligung im ersten Wahlgang hat die Zahl der möglichen sogenannten Dreiecke erhöht, bei denen drei Kandidaten, die mehr als 12,5% der Stimmen erhalten haben, für den zweiten Wahlgang qualifiziert sind. Von den 306 möglichen Dreiecken im zweiten Wahlgang werden allerdings nur 89 zustande kommen. 224 qualifizierte Kandidaten zogen sich aus der Stichwahl zurück, auch um eine Spaltung der rechtsextremen Wählerschaft zu vermeiden.